Salut à tous et bon Noël étant donné que c'est Noël 2015 quand j'enregistre cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Haiku OS. C'est une vidéo qui rentre dans le cadre d'un article les projets fous des logiciels libres. Haiku OS étant une réécriture depuis la page blanche de feu BOS. C'est un projet qui est né en 2001, on est en 2015 et la première version bêta est sur le point de sortir. Enfin, il reste une petite trentaine de bugs, comme je vais vous le montrer, avant la sortie de la version finale. Voilà. Donc, avant la sortie de la première version bêta, il reste en gros une trentaine de bugs. 32 pour plus précis. Voilà, c'est les bugs qui restent en attente avant la sortie de la version bêta 1 d'Haiku OS, qui est née quand même en 2001. Ça fait 14 ans. Soit, bref. Fermons cette parenthèse. Comme d'habitude, vous avez un lien dans le descriptif pour les détails techniques et l'article du blog qui parle justement du projet, de ce projet qui est complètement fou, même plus fou que GNU/URD d'ailleurs. Moins fou que GNU/URD. Donc là, je vais vous montrer à quoi il ressemble et je vais partir du départ, en clair, l'installation et la post-installation. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'installation, parce que c'est du rapide. Comme j'ai précisé dans l'article, quand je fais cette vidéo, je pars de la dernière révision disponible en date. Voilà, donc là. Tac, tac, tac. Donc j'ai pris la dernière Nightly. C'est la 49940. Voilà, j'ai pris celle-là. Pour justement faire l'enregistrement de la vidéo. Donc maintenant, les préliminaires étant terminés, on attaque l'ensemble. Je passe en plein écran. Le démarrage d'Haiku est toujours très très long, comme vous pouvez le constater. Voilà, nous sommes à l'écran démarrage d'Haiku. Donc je vais directement l'installer. Et vous allez voir le temps que ça prend d'installer. Bon, comme c'est précisé, par la suite, il faut une partition spécifique. Non, c'est du blabla technique, mais comment reste l'installateur, c'est bon. Voilà, il est précisé, il faut une partition en format BFS. Donc, on y va. Comme c'est une version de développement, il n'y a pas de paquet complémentaire. Donc là, j'ai pris une partition de 64 Go, ce qui est largement suffisant. Donc on va formater une partition en BFS. On va formater en FAT32 ou NTFS. Autant utiliser quelque chose de potable. Voilà. La partoche est formatée. Maintenant, on sélectionne le disque. Et on est parti pour l'installation. Voilà, l'installation de base est terminée. Qu'est-ce que ça a été long. Donc on redémarre. Là c'est plus rapide étant donné que c'est sur le disque virtuel réel. Enfin sur le disque installé, donc c'est déjà un peu plus rapide. Voilà, ça se charge. On va attendre que tout soit bien chargé. Voilà, nous avons la présentation de Haiku OS avec un noyau, voilà la révision 49940, avec un noyau qui a été compilé ce matin même, enfin le matin où j'enregistre, à 1h19 du matin. Et il mange 8% de mémoire vive. Côté, dirons-nous, gourmandise, j'en veux toujours comme ça. Si cette présentation vous dit quelque chose, c'est que la Black Linux a légèrement piqué l'apparence d'Haiku OS. Voilà, tout l'ensemble du blabla about. Donc, on va ouvrir quelques fenêtres. Le tracker avec tous les différents réglages, bien sûr.
Voilà, donc les applications installées par défaut. Donc on va fermer cette fenêtre pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc là, on a un menu déroulant, on va dans les applications par défaut. Donc on a le moniteur d'activité. Qu'est-ce qu'on peut lancer? La calculatrice par exemple. Vous voyez quand même que ça répond très bien, même pour une pré-bêta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, écoute des potes, on y reviendra après. Un outil de mail. Voilà. Bon, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est quand même des outils très très bêta, enfin très alpha, dirons-nous, dans l'ensemble. Un convertisseur de médias, un lecteur de médias, un éditeur de texte qui date, qui est un peu vieux, qui date de 2004 de mémoire, 2002. Et toujours le côté haïku, c'est-à-dire toujours le côté un peu multimédia, le côté un peu... on se la pète un peu parce qu'on peut se le permettre. Là, vous voyez quand même, oups, ça. Donc on va fermer lui, on va fermer lui. C'est quand même très rapide. People, je ne sais plus ce que c'était. C'est un gestionnaire de contact. Bon, certains diront que ça fait un peu dater les graphismes, mais c'est l'époque à ce à quoi ressemblait BOS. L'enregistreur de son, l'éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. L'éditeur de texte basique. Ça doit être, je pense, c'est des RC, logiciel de chat, et le navigateur par défaut de BOS, j'ai nommé WebPositive. S'il veut bien se lancer, voilà, c'est un peu long, désolé, c'est un peu long démarrage. Donc normalement, ok, normalement ça devrait fonctionner. Non, là il y a un petit bug. Parfois ça arrive que ça plante un peu, bon ben c'est normal. Ok, donc c'est bon. Donc je vais essayer de relancer WebPositive. Bah c'est bon, cette fois-ci c'est lancé correctement. Il utilise WebKit comme base. Voilà. La preuve. Donc il doit avoir un bon résultat côté HTML5 je pense, même si côté audio et vidéo ça peut être la joie. Donc on va attendre qu'il se charge complètement. C'est pas si mal que ça. C'est honnête. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qu'on a l'habitude de faire sur Internet, mais on peut naviguer un peu. Ah ben, je vais vous montrer le site de la Black Lab Linux. Voilà. Qui pompe allègrement le style de BFS, enfin de BOS. Alors ça, ta bouche. Pour une version pré-bêta, c'est quand même potable. On va essayer de descendre un peu pour vous montrer les captures d'écran de l'ensemble. Voilà, vous voyez quand même que ça ressemble pas mal. Hein. Parce que si c'est pas le clone du tracker, qu'est-ce que c'est? Bref. Donc autant prendre l'original. Donc, vous voyez quand même, il y a aussi toutes les préférences, que ce soit le réseau, l'email, le son, l'économie d'écran, l'écran, la mémoire visuelle, notification, bref, tout. Voilà, toutes les options. On va maintenant lancer l'outil qui s'appelle Haïku des potes.
qui sert à, en gros, c'est en gros l'équivalent de dépôt pour Linux, enfin, pour distribution Linux et compagnie. C'est beaucoup plus simple enfin, la présentation. Donc l'ensemble des logiciels pour Haiku et anciennement pour BIOS qui ont été portés. Donc il ne faut pas s'étonner que certains logiciels soient quand même assez vieux quand on regarde des dates. On peut aussi regarder par catégorie, ça sera plus simple. Donc pour les personnes qui veulent faire un peu mumuse, il y a un port de ScumVM, pourquoi pas. Voilà, donc là on va prendre, moi je sais pas, qui est pas trop long, tiens, on va prendre Eltris. Voilà. Il va installer les dépendances. Voilà, et maintenant, si on regarde dans le menu déroulant, les applications, pardon, on a Eltris qui est installé. Et oui, il y a du son. Par contre, je vais lancer une petite partie pour montrer l'ensemble, bien sûr, ce serait mieux. Alors, nouveau jeu, voilà. Lancer le jeu. Bon, là, c'est peut-être un petit bug. En tout cas, il y a du son, c'est ça de prix. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre un outil plus, quelque chose de plus pratique. Dans le domaine professionnel, il y a un tableur. On peut ouvrir. Voilà, un tableur, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si ce n'est pas encore l'outil lié au son. Voilà, donc on a MPlayer disponible par exemple. Par contre là je vais réduire un peu peut-être la fenêtre parce qu'elle est un peu grande. Voilà, ce sera mieux comme ça. Dans la vidéo, on a des outils de capture d'écran, vidéo. On a FFmpeg, il y a quand même pas mal de petits trucs. Il y a même VLC. Une vieille version qu'on va installer par curiosité, tiens. Une version 0.8. Oh là là, ça n'a rajeuni personne tout ça. Une version qui n'est plus valide depuis 7 ans, quoi. Oh souvenir, souvenir. Bref. Graphisme, tout ce qui est dessin, bien sûr, et apparenté. Vous voyez quand même, il y a une petite Logitech, mais bien sûr, c'est parfois des logiciels assez vieux. Bon, anciennement, il n'y a rien du tout. Bureautique, lecteur de PDF. Un outil de graveur de CD, tiens. Waouh! Ça en a envie. Utilisateur système, bon, il y a l'émulation DOSBox. Ah, donc vous voyez quand même, il y a pas mal de petits outils, quoi. Mais je vais pas tout installer parce que sinon on n'en finirait pas, mais juste pour vous montrer, quoi. C'est quand même un outil qui est bien conçu, quoi. Il ne paie pas de mine, mais il est très bien conçu. C'est les éditions VirtualBox, mais je ne vais pas les installer pour cette vidéo. Internet et réseau. Donc on a de quoi papoter, on a de quoi récupérer des ISO Linux, c'est bien connu. Un outil de météo, tiens, on va l'installer.
commencera après. Transmission, c'est bien connu, c'est parti. Ah, Cubezilla, on va l'installer, tiens, par curiosité, pour voir ce que ça donne. Ah oui, quand même. On va installer les dépendances aussi. On a quand même pas mal de petits outils. Et pour la nostalgie, un port de Firefox 2 pour BIOS. Oui, j'ai bien dit, Firefox 2. Voilà, donc là, le principal est installé. On va voir maintenant dans les logiciels. Alors, blablabla. Ah, certaines ne sont pas encore disponibles. Wizard, donc on va voir ça. Edit, change location. On va voir s'il me trouve. Oui. Donc on va voir s'il y a d'autres outils qui ont été rajoutés. Ah, il y a Cubezilla qui est ici. Par contre, Bitzilla, je ne le vois pas. Bon, alors toujours. Voilà, c'est Cubezilla. Voilà, Cubezilla, oui, l'outil Celebrity pour Linux, qui est disponible aussi pour BIOS. Cool, non? Donc je ne sais pas si c'est la même version que l'autre. Pour web positive. Ah non, c'est une version plus ancienne. Donc mieux vaut utiliser web positive si on veut avoir quelque chose de potable au niveau HTML5. Oui. Donc là, je vais enlever Cubezilla en passant par Haiku des potes. Donc on va rechercher Cubezilla. Et voilà, est enlevé. C'est fou ce que c'est long. Donc là, on va dans les applications maintenant. Et apparemment, il n'y a pas Bitzilla. On va aussi enlever VLC. Tant qu'on y est. VLC. On va le désinstaller aussi. On va rechercher Bitzilla pour voir si c'est installé. Non, il n'était pas installé, donc on va l'installer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, c'est juste par curiosité. Je finirai avec le côté un peu fun de BIOS. Donc là, je sens qu'on va rigoler. Et ça va rappeler pas mal de souvenirs à pas mal de personnes. Voilà. Oh la vache. Aïe 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 aïe. Oh, ça rappelle les souvenirs. Enfin, pour les personnes qui n'ont pas connu Firefox 2, voilà à quoi il ressemblait. Faire souffrir plus longtemps que ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques démos de et montrer la puissance de BIOS à l'époque. Et je tiens à rappeler que c'est une machine virtuelle. Donc on va pousser un peu le bouchon.
donc quand même plus de 100 FPS, même dans une machine virtuelle, ça en dit long sur l'optimisation de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On va voir l'image. Non, c'est pas ça. Ça, ça ne sert à rien. Le Sudoku. Voilà. Si on veut faire un petit Sudoku, c'est quand même très rapide. Vous voyez quand même, c'est quand même du code qui. On est loin des Kikoulol qui pète, ça pète avec une distribution Linux. Hein. C'est un autre niveau technique. Patch Bay. Non, ça c'était pour les préférés. Donc on va finir avec l'Haiku 3D. Voilà, donc c'est quand même impressionnant. Hein. Bien sûr, il y avait pas mal de petits manques. Il n'y a pas de multi-utilisateurs. Il y avait des manques déjà à l'époque, mais déjà, bon, c'est vrai que c'est un vieil, une vieille implémentation. Hop là. Terminé. Donc là, je voulais vous montrer quand même Haiku OS. Donc ça fait une vidéo qui doit faire une quinzaine de minutes, je pense. Bon, 17 minutes que c'est lancé. Voilà, je voulais vous montrer Haiku. C'est pour moi un projet un peu fou, mais qui est vraiment très, très, très sympa. C'était mon cadeau de Noël. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, je vais vous quitter. Je vous dis ciao et à la prochaine.